Bonjour, je lance une VOD sans savoir trop ce qu'on fait. Le jeu s'est lancé comme ça, il n'y avait même pas d'écran de titre. Et on est sur Exit 8, Exit 8, sortie numéro 8. Nous sommes dans les couloirs du métro japonais et tout ce que je sais, c'est qu'il faut trouver la sortie numéro 8 et que le jeu est un petit peu bizarre. Voilà, c'est tout ce que je sais. Par contre, je sais pas pour les réglages vidéo, graphiques. Parce que je sais pas, moi, mon PC, vous savez. L'impression que ça change que dalle. Vous êtes dans un métro. Et des choses étranges se passent. Saurez-vous trouver la sortie 8? Laisse comme ça, tu verras bien. Non, mais c'est parce que j'entends mon PC monter en crescendo, là, tu vois. Il souffle de plus en plus fort. Mais là, ça va, il s'est stabilisé. C'est pas trop moche pour vous? Ah merde, faut être en QWERTY. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le carrelage RTX. Non, bah si c'est pas moche, on garde. Mais mon PC, il commence à dater, hein. Il a 4 ans maintenant. Donc, quand il y a des reflets de ouf, là, c'est pour ça que moi, je joue sur console. Mais bon, allez, ça fera l'affaire. Voilà, bah, c'est tout ce que je sais sur ce jeu. Écoutez, on va aller à la sortie numéro 8. Et puis, si vous connaissez le jeu, eh bien, aucun spoil, aucun backseat, pas d'aide, rien du tout. En fait, vous ne dites rien et vous attendez. Voilà. Et puis c'est tout. Keep left. Avec une flèche qui va à droite. Le mien a 10 ans. Ouais, mais tu streames pas avec, Nanette. C'est-à-dire que si je stream pas, le PC il fait pas de bruit. Lancer un stream, c'est pas pareil. Ah, ok, allez, on a compris le genre. Silencieux ce métro. Et ça boucle déjà, parce que là, le YouTube, il l'a pas vu, mais ce mec, on l'a déjà croisé. Quand on a lancé le jeu, ça s'est lancé comme ça. Vraiment pas d'écran de titre, rien. Clac. Peut-être qu'il faut le suivre. Hein, tu vas où, toi? Ah, ses cheveux sont bizarres. Oh, il s'est arrêté. Monsieur? Monsieur? Oh, quoi? Ah, je peux sprint. D'accord, je peux sprinter avec clic gauche et shift, apparemment. Bon, écoutez, on peut aller à Nambu Park, à Misozu Junior High School. Soufflez-lui dans le cou. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone de si intéressant? Écoute, je sais pas. Je vais continuer, on va attendre que quelque chose se déclenche. Peut-être qu'on va le retrouver de l'autre côté? Ah, quel... Tu dis si je te dérange? Pardon, pardon. 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 Bah
belle moustache. Très bien, très bien. Écoutez. Écoutez, écoutez. Il va encore s'arrêter là? Attends, il me regarde là ou quoi? Il fait quoi? Allez, allez, je vais aller dans l'autre sens. Plusieurs fois pour voir si ça déclenche quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les affiches. En tout cas, il ne faut pas fumer. T'as des jeux sur ton téléphone? Là. Il est plus là quand je viens de ce côté. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de son, mais peut-être que c'est pas assez fort pour vous. Je sais pas ce que je fais. Oh, security camera in operation. Le son est bon. Le son est bon. Je sais pas si je peux activer quelque chose. Make-up artiste. Là, c'est la grosse fiesta dans la société, là. Les chiens. Ah! J'étais un petit peu tendu. Tous les deux ans mu. Mu. Merci Ice Phoenix. Mu. Bon, écoutez, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. J'espère que c'est fluide pour vous. Bon, toi, tu saoules. Is ok, c'est Bon stream, bisous sur vos fesses. Ah bah yes. Merci Safneko. Is ok, c'est voilà. C'est parfait. Bon, très bien, merci. Mais putain, faut faire... Déjà, j'ai vérifié un truc. On peut pas changer les contrôles. Voilà. Donc je peux pas vérifier si on a un bouton pour agir. Bah, c'est ça, j'ai pas de bouton d'interaction et tous mes clic gauche et clic droit, c'est le sprint. Shift, c'est le sprint. Contrôle, c'est le sprint, non? Bah! Ok, je fais genre, c'est incroyable. Mais effectivement, il s'est passé quelque chose. Concours. Il s'est passé quelque chose. Les affiches ont changé. Voilà. Ok. Il s'est passé quelque chose. Et là, il y a quoi aussi? Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back to go out from exit suite. Il y avait un panneau ici, oui. T'as une anomalie, toi? Turn back.
If you find anomalies, turn back immediately. Ok, alors attends. C'est clairement une anomalie, ça. Donc je m'en vais. Après, qu'est-ce qu'une anomalie dans ce jeu? Don't overlook any anomalies. Je veux pas overlook, je... Merci Glacia Dragon pour le 16e mois. Ah ouais, donc le chiffre là change bien. Ah mais du coup, si on va à zéro, si on va plus loin que 0, parce que j'ai... Est-ce que je fous tout en l'air? Ou est-ce que ça... Peut-être que 0, c'est vraiment 0. Ok, ça reste 0. Très bien, on veut la sortie numéro 8. C'est intéressant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, vous voyez, numéro 1. Ah! Don't overlook. Turn back, just turn back. Le numéro 2, voilà. Don't overlook. Tranquille. Ah, il était pas souriant avant. Lui, il sourit dans le métro, c'est une anomalie, ça, je suis désolé. Ça, c'est clairement une anomalie. Allez, hop, sortie numéro 3. Bonjour. Sortie numéro 4. Beau cul. Pardon. Sortie numéro 5. C'est bon, le jeu est fini, là. Zéro ? Oh non. C'est une anomalie de voir un zéro. Je m'en vais. Non! Oh merde. Ça veut dire que j'ai raté une anomalie, quoi, je pense. Après, où sont les anomalies, hein? Merde! No smoking. C'est toi l'anomalie. Keep left. Ah non, c'est bon là. Non, le problème c'est qu'il faut, savoir quelles sont les anomalies. Il y en a des plus ou moins obvious, j'imagine. Je vais pas m'amuser à checker chaque lettre des affiches, quoi. Téléphone, chaussures, beau cul. Peut-être les lumières. Pour l'instant, ça va. Numéro 2. C'est important que vous me donniez aucune info. Hein. On finira par comprendre.
Si on est là-dedans pendant 8 heures, peut-être que je vous dirai, ah, peut-être que vous pourrez me donner un indice. Téléphone, chaussures, beau cul. Non, mais lui, il est tout le temps pareil, là. No smoking. No smoking. Les lumières. Keep left. Et putain, zéro. Mais merde! Comment tu veux que je sache où sont les anomalies? Moi, je vois pas d'anomalies, là. Monsieur? Ben oui, mais le problème, c'est que ça se trouve, voilà, ça se trouve, c'est très, très, très subtil. Et voilà, donc peut-être que la ligne jaune, elle est à 5 carreaux là. Enfin, c'est le cinquième carreau. No smoking, hein. No smoking. Non mais les premières anomalies quand même, elles étaient obvious, il y avait les affiches. Le sourire du gars, pour l'instant, voilà, là on est bon. Et à force, on va commencer à savoir exactement où sont les choses. Oh, combien il y avait de machins d'aération? Là, il y en a deux. Turn back, turn back, turn. Ok. Ok. Numéro 3. Ouais, faut pas overlooked en plus. Je sais pas si ça veut dire que si on met trop de temps, c'est foutu. La pire anomalie, c'est lui qui souriait tout à l'heure. Overlook, ne les rate pas, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord. J'ai cru que c'est parce qu'on mettait trop de temps. Overlook, pour moi, c'était trop regardé, tu vois. Pour l'instant, on est bon. Numéro 4. Caméra. Bonjour tout le monde. Me voici avec vous après avoir eu le platine de Alan Wake Remaster, un jeu que je vous recommande. Bien joué Yves. Bien joué. Merci pour ce 24e mois, cette deuxième année. Sortie numéro 5. Merci beaucoup. Oula. Il y a un truc en face. J'ai envie de m'approcher, mais en fait, faudrait que je me casse. Ah!
toujours plus. Putain. C'était marrant. C'est bon, regarde, on a fini le jeu. Sortie 7. Le jeu est terminé. Il va trop vite, lui. Tu vas beaucoup trop vite, demi-tour. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Oh mon dieu! Oh mon dieu, j'appelle la police! Police! Je suis très déçu. Là-haut, ça va pas. Les lampes. Shining, ouais. Les contrôleurs. Putain, quelle anomalie j'ai raté tout à l'heure. Je suis deg. Numéro 4. Putain, puis j'ai un peu plus de Jean-Pascal, là. Paris Latino. Ah ! Jean-Pascal, aide-moi! Aide-moi! Oh non, mais Shining, ça suffit là! Putain! Le pédiluve. En plus, il était plein de merde là. L'eau était bleue. Numéro 7. Pas d'anomalie là. Il y a pas d'anomalie. C'est pas possible. Numéro 8.
Putain! J'ai pas vu! J'ai pas vu! Ah putain, vous avez vu, vous? J'ai rien vu, moi. En tout cas, vous avez pas le droit de dire vu tant que... tant qu'on n'est pas devant le panneau zéro, à la limite. Dire vu, c'est signaler une anomalie, donc... Voilà, ne dites pas vu. À la limite, si on tombe sur le panneau zéro, vous pourrez dire vu. Beau cul, hein. En vrai, ce sacré Jean-Pascal, hein. On en a passé des soirées de dévergondés avec ce sacré... Bref. C'est pas la question. Pétable. Après, si c'est subtil, ça va être compliqué. Voilà, on est déjà sur le zéro, là. Donc j'ai déjà raté quelque chose, là. J'ai déjà raté. Il faut être beaucoup plus observateur. On avait vu les lumières penchées. Les affiches. JP qui sourit. On avait vu ça, là, le panneau qui dit de turn back. On a vu les affiches, on a vu les trucs collés. Bon, il y a des choses obvious, hein, après. Mais quand c'est subtil... Putain, là, je l'ai pas vu. Il y avait quelque chose. Mais merde, alors. Vraiment de la merde, ce jeu. J'espère que c'est pas l'ordre des affiches, là, parce que j'ai du mal, moi. Peut-être qu'il y a un couloir où on peut smoking... Hein, Jean-Pascal. Les caméras, il y en a une au fond du couloir, une ici et une là-bas. Donc là, effectivement, il n'y en avait pas d'anomalie, très bien. Poignée de porte à gauche. Je sais pas. J'essaie de trouver des trucs. Ok, il n'y en avait pas. Normal. Ils vont me faire les 8 sorties en mode y a rien. J'espère qu'il n'y a pas d'anomalie avec le texte. Bah, j'espère aussi. Après, peut-être qu'il y a du smoking à la limite. Pas bah, là-dedans, là, je pense pas. C'est trop. Ce serait trop chiant. Ça, c'est pas normal. Excusez-moi, Jean-Pascal, je passe par là. Tu vois, ça, c'est obvious. Ça, c'est ok, quoi. Ça, ce serait ok. Ouais, le jeu va rendre parano. C'était pas en haut avant la cigarette et en bas le texte? J'ai fait demi-tour, je suis pas sûr de moi là. Je sais plus. Ah non, zéro! Non! Attends, je suis perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Bon, zéro.
Moi, bah, voilà, maintenant, on sait, quoi. La cigarette est en bas. Jean-Pascal. Il a l'air de passer une journée de merde. Et allez, nique-toi, zéro. Combien d'affiches là? 5, 6. 6 plus la caméra. Oh, pardon. Pas très aimable, mais... L'anomalie, c'est JP avec le filtre sans barbe moustache. Attends. Vous voyez une anomalie, là, ou pas? Est-ce qu'il y a une anomalie? Faites demi-tour. Turn back. Anomalie ou pas? Si vraiment il y a quelque chose qui vous choque, on fait demi-tour. Hein. Ok. Putain, mais non, mais il y a un truc que je vois pas, ça me gonfle. Et j'entends mon PC qui souffle toute sa vie là. Putain, c'est quoi ce jeu qui saoule là? Peut-être ce panneau là. Ok. Vu. Pourtant, c'est pas un gros jeu. Non, mais je cherche pas. Ah! Bah, je sais pas, je voulais tester. C'est pas bien, c'est bien de tester, non? Ouais, ça va. En plus, on était au niveau 0 ou 1, là, on ratait rien, quoi. Je suis débile ou quoi? Ne répondez pas. Exit numéro 8. Jean-Pascal, toujours pimpant. Sécurité caméra, les affiches, porte. Je suis désolé, il y a rien de changé là. Si c'est zéro, je... Non, c'est bon. Je rappelle, pour les gens qui pourraient nous rejoindre, on est sur un jeu où il faut trouver la sortie numéro 8. C'est une espèce de boucle infinie là. Et à chaque fois qu'on arrive dans ce couloir, la règle c'est de voir s'il y a une anomalie, quelque chose qui nous saute aux yeux. Ou au visage. S'il y a une anomalie, je fais demi-tour. S'il n'y a pas d'anomalie, je continue.
Donc il faut regarder les détails. Ah, enfin bref, les détails. Il y a des trucs qui nous sautent dessus des fois, oui. On regarde bien, faut bien regarder les détails. C'est ça qui est important. Et les bons gros détails juteux là. La caméra, elle est allumée. Elle n'était pas. Il n'y avait pas cette espèce de laser là. Je fais demi-tour. Deux. Oula. Oula, Jean-Pascal. Oula. Il a pris un coup de jus. Envie de prendre un coup de jus. Pardon. Écoutez, je ne vois pas d'anomalie. La boîte à jus. J'espère qu'il n'y en a pas là, franchement. C'est bon, 4. Oh. Excuse me. Demi-tour. Pardon. Numéro 5. No smoking. C'est Secret Story. Ouf. Franchement, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait une anomalie où il y a un énorme bouti là où je sais pas, quelque chose sur son cul. Show me your body. La poignée de porte là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette poignée de porte? C'est quoi ce poulet? Numéro 6. Le bulge de la porte. Numéro 6. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Minute papillon. Je vous avais dit que les poignées de porte, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Show me your body. Je ne vois pas d'anomalie, je continue. Numéro 7. Un pote, son nom de famille est Porte. Donc les gens sonnent à son interphone pour, ouvrir en bas. Oh, d'accord. Tudu 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 tudu.
Doucement, hein. Ouais. Écoutez, je continue. Numéro 8. Pour notre collection automne-hiver, Jean Pascal. Ils veulent pas m'en mettre un obvious sur la fin là? J'ai rien vu, j'ai rien vu. Non, j'ose pas continuer. No smoking. C'est pas vrai. Non. Non, mais c'est pas possible. C'est fait exprès. Le dernier, à chaque fois, ça doit être un truc hyper subtil. Jean-Pascal, Jean-Marie, j'ai une rage incroyable là, c'est pas vrai. Et là, il y en avait un aussi. Non mais... Au moins, ça nous permet de voir toutes les options du jeu. C'est speedrun, hein. Faut pas s'arrêter, hein. Ah, là, j'ai pas... Ouais, là, on a vu. Ok, là, on peut continuer, c'est bon. C'est bon. Alors que là, clac, d'un coup d'œil, tu vois, ça, porte, clac, ici. Hop, Jean-Pascal, hop, c'est bon. Rien à voir. Numéro... Ouais, ok, ça va pas marcher. Ça m'a pas marché. Oui, je dois tout recommencer à chaque fois... Voilà, j'arrive dans ce couloir, je dois voir s'il y a une anomalie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel par rapport au couloir habituel, quoi. S'il y a une anomalie, je dois faire demi-tour. Si je trouve que le couloir est normal, je continue à avancer. J'ai cru que la porte était entrouverte. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est bon là, donc on continue. Numéro 1, on va... Ok. C'est vrai, on en a croisé des très subtils. On a vu un point rouge sur la caméra. Donc oui, il y en a des très subtils. Pour l'instant, on n'a jamais de doublons. Ou alors, c'est ceux que j'ai pas vus, justement. J'aimerais bien vous mettre le jeu en full qualité, mais mon PC aime pas. 2. Tu as eu des doublons, hein. Ok. Oh là... Elles étaient si loin, les affiches, avant. Mais le jeu fait devenir parano aussi, là. Ok. Ok, c'est pas un problème d'affiche. On s'en fout. Les affiches vont très bien.
Mais les affiches, il tape derrière, oui. Mais moi je veux faire l'amour. J'ai la ref. Putain, il y avait quelque chose. Oh, ça commence à me gonfler. Jean-Pascal. Jean-Pascal, send help. Send help. Il est dans le même bateau que toi, JP. Obradin, je pense que c'est le capitaine qui l'a tué. Le mec au collier, le mec au bonnet. Ok. Demi-tour donc. Au moins, JP, il a fait ses 10 000 pas par jour, ça c'est sûr. C'est comme ça qu'il finit avec ce boule, hein. Y a pas de mystère. Numéro 4. Les pires, c'est en fait, c'est quand il n'y en a pas d'anomalie. Sortie numéro 8, JP. JP, je vois rien de particulier. Continue. Numéro 5, très bien. Il n'y avait rien. No smoking. Sortie numéro 8, poignée de porte. Téléphone, beau cul. Les chiens, la réu, le maquillage. Hein? Il y a les affiches qui grossissent. Ah, c'est ça que j'ai raté depuis le début. Ah, ça grandit pas à l'infini. Ah, il m'a fait peur, Jean-Pascal. C'est
C'est subtil, parce que tu fais pas trop attention à ça. C'est... Hein, JP? Tu avais vu, toi, que les affiches... Ok. Ça me rend fou, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'anomalie. Numéro 7. No smoking. Sortie numéro 8. Les affiches ne bougent pas. Tranquille. JP. Toujours beau gosse. Caméra, le panneau, les yeux, les poignées de porte sont là où elles devraient être. Ce panneau-là aussi, ouais. Je continue. 8. No smoking. JP. Les affiches sont affichées. Les portes sont portées. Je ne vois pas d'anomalie. Ça me fait chier de pas en voir. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Demi-tour. C'est une blague ? Non, c'est normal, justement. C'est parce qu'il va y avoir le dernier où il n'y a rien. Et où tu sors. Je vérifie quand même. C'est une blague. Mais c'est quoi votre jeu de merde, là? C'était censé être fini? C'était censé être fini? Mais c'était fini! On avait eu la sortie de 8! Chelou, JP. Chelou, JP.
Je comprends pas, en fait. Je veux bien, mais je comprends pas. C'était pas fini, là? C'était fini si tu résolvais. Mais on a fait deux fois le 8. Quel enfer. Faut terminer sur un normal. Mais non, pas GG, je peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que c'est cette blague? Bah c'est mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas impossible. Vous faites genre là, vous voulez que j'aille là-bas, bande de connards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Les petits bâtards. Ah les petits bâtards, t'es pas d'accord Jean-Pascal? Tu recommences le 8 en boucle tant que c'est pas un normal. Ouais, c'est ça, faut finir par un normal. Oh, quel enfer! Oh non! Ouais, on n'est pas rendu, hein. Bah, au bout d'un moment, on aura vu toutes les anomalies. Au moins, on voit bien le jeu, quoi. Ça, c'est sûr. Numéro 4! JP au bout de sa vie. Caméra, panneau. PUBG, ouais, il va aller se rhabiller, mais bon, ce serait bien de faire l'argent de PUBG, non? Ce serait pas mal. No smoking. Pas d'affiche qui grandissent. Qui grandit. Truc médical. La meuf qui sourit. JPP. Panneau numéro 8. Il manque une porte. Il manque une porte. Qui a pris la porte? Ça me fait rire parce que le store là-haut il s'appelle Bas les couilles. Bas les couilles store! Bienvenue à Bas les couilles, que puis-je faire pour vous? Welcome to Bas les couilles. Bon, je ne vois pas d'anomalie. Numéro 7. Franchement, il pourrait y avoir une anomalie où JP il arrive complètement nu. Mais non. En marchant de manière casu, même démarche, mais entièrement nu.
C'est un king, pas une anomalie, ça. Ah, pardon. Pardon. Il n'y a pas d'anomalie, là. Peut-être les trappes, là. J'ai jamais fait trop attention à ces espèces de trappes. Trap! Il y en a trois. Qui font gauche, droite, gauche. Allez, je pense qu'il n'y en a pas. Numéro 8. Allez. No smoking, on peut pas se moquer. Ok. Je crois que je ne vois pas d'anomalie. Bah les couilles store. Vous dites rien, c'est terrible. Est-ce qu'il n'y avait pas trois bouches d'aération? Je sais plus. Il n'y avait pas une troisième là-bas? Oh putain, je sais plus. Je crois qu'il y en avait une troisième. Ah, j'ai un doute. Je fais demi-tour. Il me fait peur. Je sais pas. J'ai fait demi-tour, je suis pas sûr que c'était ça. Mais... est-ce que là, il y a de nouveau deux bouches d'aération, donc... je sais pas si c'est ça. Du coup, il y en a encore deux. Donc il y avait... Oh, putain, je sais pas. C'était pas ça, visiblement, mais apparemment, il y en avait une, quoi. Il rend fou, ce jeu. J'ai vu la vraie anomalie pour une fois. Ou alors t'as deux fois la même? Non, arrête tes conneries. Non, là, il n'y en a pas. Là, le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Là, il n'y en a pas. C'est GG. Yes. Bah, c'était très marrant. On a trouvé la sortie numéro 8. Tu as pas eu la fausse fin. Je suis deg. Ah, mais celle où vous avez voulu que j'aille à l'escalier, là.
Vraiment, ce sera une formalité, le 100%, vraiment, pas de problème. Thank you. Merci d'avoir utilisé le Underground Passaway. We apologize for any inconvenience. Il y a 7 d'anomalies que tu n'as pas trouvées. Oui, je me suis fait avoir 7 fois, quoi. C'était marrant. Un JP. Speedrun. Run no death. De toutes les anomalies, tu les as toutes découvertes sauf 7. D'accord. Bah tu vois, je viens d'en rater une là. Super. Passe tout droit. Elle stalk le boule. Attends, mais JP est vachement grand là, non? Mais c'est quoi ça? Gigastonks. Ça, je me demande quelles anomalies j'ai. Peut-être que plusieurs fois j'ai eu les affiches, parce que j'ai l'impression que ça vous a soulagé quand je les ai vues. Il y a 5 anomalies qu'on n'a pas encore vues. On a eu le balai couille. balai couille store. Et il y avait toujours eu 2 bouches d'aération. Hein, juste. Au cas où. Il y en a une que t'as détectée sans avoir vraiment vu. Au sol, là, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ces têtes écrasées, là? L'horreur. Quatre anomalies. C'est l'une des plus discrètes. Allez, tu regardes pas trop le sol. Oh pardon. Je m'attendais à ce qu'une fois il ait inversé la main gauche et la main droite. Oh! Qu'est-ce que tu veux toi?
No smoking. C'est bien fichu parce qu'il me montre pas trop les doublons, quoi. Enfin, si j'ai réussi, il me montre plus. Jusqu'à ce qu'on ait tout vu, j'ai l'impression. Donc là, on aura bientôt tout vu, quoi, quoi qu'il arrive. Quoi, Kubé, il arrive. Quoi, Kubé, vous. Non, je me souviens de celle-ci. Je m'en souviens. Y a quoi à l'intérieur? Bah, j'y suis allé et j'étais mort, mais du coup, ça me l'a pas décomptabilisé. Ça m'a fait recommencer. Oula! C'est le jeu, ça qui a bugué, c'est pas moi. Enfin, ça a glitché. Ça me ferait rire que JP y revienne, tu vois. Jean-Pascal. C'est un jeu qui va être drôle de à regarder d'autres streamers le faire. J'ai envie de voir les réactions. Je peux pas passer. Il me manque encore deux anomalies, je crois. On y était presque. Puis les voir réagir au mec qui te course et au duo là. Je me suis pas approché du duo, je sais pas ce qu'il aurait fait et ce qu'il m'aurait poursuivi aussi. There are two of anomalies that have not been found. La mare de sang de Shining. Putain, il y en avait une, je l'ai pas vue. Putain, de toute façon, là, celle qui manque... Je passe à côté à chaque fois. C'est sûrement des doublons qu'on a déjà vus, ça peut pas être une nouvelle. Une obvious et une moins. Les affiches. Du coup, je considère qu'il n'y en a pas, mais...
Ah là, il y en a une. Ça, on n'avait jamais vu ça, si? Ou peut-être au tout début du jeu, quand je savais pas ce que c'était. Là, ça. C'est dégueulasse, ça. C'est complètement dégueulasse. Ah, j'ai eu un trophée Steam. Oh, l'anomalie found. Thank you. Thank you. Bah, du coup, vous êtes sûr que... Vous êtes sûr que vous pensiez à la même chose, parce que... C'était lesquels, j'ai pas vu. Bah, une espèce de fleur au sol avec les carreaux jaunes et un truc qui dégouline de la... De ça. Thank you. Je continue. M'en fous. C'était elle. Ok, bah j'avais pas vu. Hein. Il y a un certain pourcentage de chance pour que... Pendant 8 tours, il y ait 0 anomalie. Mais il y en a encore une que tu as skip avec les ventilations. Ah oui, d'accord, tu veux dire que du coup j'ai compris que... Voilà, j'ai fait demi-tour avec les ventilations parce que je pensais que c'était les ventilations, mais c'était pas les ventilations. D'accord. Ouais, bah là, pour que ça retombe dessus, ça va être trop chiant. Donc tant pis, tant pis. Bah écoutez, le jeu était très sympa. C'était marrant comme principe. C'était marrant comme principe, effectivement, j'ai bien aimé. Et effectivement, il fallait pas que je me spoil du tout, hein, en regardant d'autres vidéos pour checker comment ça marchait. Un visage qui salit le plafond. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et bah, du coup, des bisous à YouTube qui aura regardé cette vidéo avec attention. Et à bientôt pour un nouveau jeu extraordinaire. Bye bye.